Joseph Diogbenou, ministre en charge de la justice, face au député Adassa Zoumé. Il est venu présenter aux parlementaires les contours du projet de loi portant code pénal en République du Bénin, introduite au Parlement depuis 2001, mais aussi s'imprégner du contenu de la proposition de loi portant statut de la magistrature. Sur le projet de code pénal, il est à rappeler que le texte en vigueur date du code pénal Napoléon, dont on sait qu'il n'a jamais foulé le sol béninois et dont les dispositions sont dépassées, au plan sécuritaire surtout, au plan de la protection des biens et des personnes aussi. Le code qui a été introduit a été largement actualisé. Le gouvernement souhaite l'adoption des deux textes de loi pour lui permettre d'évoluer sur le chantier des réformes entamées dans le secteur de la justice. Avec l'apparition de nouveaux champs de criminalité et de nouveaux espaces de commission d'atteintes diverses à l'État, aux personnes et biens, les dispositions du code Bouvenet, jusque-là applicables au Bénin, semblent de moins en moins adaptées à la réalité. Ce séminaire vise, d'une part, la présentation et l'appropriation des réformes contenues dans le projet de loi par les députés, afin que ceux-ci puissent être bien outillés pour les travaux en commission et l'étude en plénière, et d'autre part, de recueillir les observations et contributions relatives aux tests afin de permettre aux membres de la commission des lois de bien s'en imprégner pour une étude judicieuse. La loi portant statut de la magistrature ainsi que le code pénal représentent pour nous, députés de la 7e législature, un défi que nous voulons relever. Un défi que les parlementaires pourraient relever à la faveur de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre en octobre prochain.